Son peuple et lui rend heureux. Amen.
cite les paroles du psaume 29. Le temps est à la pluie. Il n'est pas bon de rester au dehors.
profiter le temps, car les jours sont mauvais. Nous avons gardé ce qui a passé à travers le monde. Moi-même, ensemble avec vous, nous avons intérêt pour nous servir, mon Dieu, puis serrer, puis coller. Nous devons coller puis plus sur le Seigneur, parce que jure mauvais. Éphésiens 5, verset 16, il dit nous racheter le temps, car les jours sont mauvais. Moi, ensemble avec vous, nous devons faire ça dépendre de nous pour nous servir mon Dieu bien. Parce que jure mauvais. L'ange destructeur a fait ravage. C'est chaque jour tant de quantité de monde qui mourait. Soit par accident, soit que c'est fusillade, soit par bagay fessiche, toute qualité de mort, et surtout dans pile qui prend mort prématuré. Nous, ensemble avec vous, nous sortons dans la rue chaque jour. Nous montons machine. En plus, nous conduisons, nous prenons volant, nous montons sur highway. En plus, nous tous ces taxis que nous prenons, camionnette. Mais le Seigneur protège-moi. Nous avons besoin de décoller plus sur mon Dieu, mes frères et sœurs. Parce que l'ange destructeur a fait ravage. Maintenant, mes frères et sœurs, nous apprenons, mon Dieu gloire, pour son amour envers nous. Parce que bon Dieu remet nous d'un amour infini, d'un amour éternel. Et le nous garder dans Romains chapitre 5, dans verset 8, là, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est l'amour, bon Dieu, qui te fait Christ. Viens mourir pour moi ensemble avec vous. Et ça fait nous besoin de rendre bon Dieu gloire pour son amour. Et dans Jean 3, verset 16, la parole de Dieu dit, nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour. Bon Dieu gagne pour l'humanité. L'amour, bon Dieu gagne pour le monde. Après que l'homme définit péché dans le jardin d'Éden, il était fin, mettait l'homme dehors. Il était en seule façon, il était capable de retourner et réconcilier l'homme ensemble avec lui. C'est la seule façon qu'on était capable de petit lui à mourir pour nous, pour le réconcilier nous ensemble avec lui. Eh bien, maintenant, mes frères et sœurs, nous besoin, dis le Seigneur merci, rends-moi gloire pour l'amour ça que le gagné pour moi-même, ensemble avec vous. L'amour que nous pas mérité, nous pas mérité l'amour ça, non? Nous pas mérité, mais il fait nous grâce. Dans Éphésiens 3, verset 18-19, la parole de Dieu dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'amour de Dieu qui dépasse toute connaissance. Et moi toujours, même dire ça, mes frères et sœurs, l'amour bon Dieu, c'est un bagage qui dépasse les commentaires. Que li pa gen largeur, li pa gen hauteur, li pa gen longueur, li pa gen dimension. Parce que personne n'a pas arrivé à énumérer l'amour bon Dieu pour lui. Personne n'a pas arrivé à comprendre l'amour bon Dieu qui est pour nous. Je ne sais pas si on peut nous poser cette question ça. Pour dire Seigneur, qui ça me fait que faut même comme ça? Parce que les nabgas de façon nous vivent, surtout les nous tenons ignorance, façon que qu'on a vive, que nous te méritons l'amour. C'est seulement l'amour bon Dieu. C'est seulement l'amour bon Dieu
qui te cal chercher nous, côté nous t'ayez, pour te capable ramener nous à la merveilleuse lumière. Matin encore, nous voulons dire le Seigneur merci pour sa fidélité. Mes frères et sœurs, nous devons dire mon Dieu merci parce que le fidèle, notre Seigneur est fidèle. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Notre Dieu est fidèle. Dans le psaume 138, verset 2, quittez-nous commencer le livre depuis notre verset 1er. Il dit, je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Mes frères et sœurs, notre Dieu est fidèle en parole. Toute salle dit avec bouche, mais l'accomplir. Pourquoi jamais gagnons monde? Le Seigneur fait la promesse pour ne pas l'accomplir. Ça que je dis là. Et ça fait matin, moi-même, ça m'a fait pour nous, ben, mon Dieu, gloire. Nous devons rendre l'action de grâce pour fidélité dans la vie. Car notre Seigneur est fidèle. Il est fidèle en tout temps et en toute circonstance. Nous devons bailler mon Dieu gloire également, mes frères et sœurs, pour son nom. Nous devons bailler mon Dieu gloire pour son nom. Dans le psaume 29, mes frères et sœurs, le psaume 29, verset 2, premier et 2, côté mon souclier pour vous, l'homme t'a commencé. La parole de Dieu dit, fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Nous devons bailler, mon Dieu, gloire pour son nom. Et il dit ça également dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 29. Il dit, rendez à l'Éternel gloire pour sa miséricorde, pour son nom. Rendez à l'Éternel, mes frères et sœurs. Dis mon Dieu merci pour nous, bénis-nous, bénis le nom de Dieu pour son nom. Le nom de l'Éternel est puissant. Il est puissant. Gardez-moi pour qu'on ne connaisse si vous faites expérience ça. Là où trouvez ou parfois, soit nos révélations, ou bien quelque chose, ça va faire face ensemble avec, et surtout dans des combats avec des esprits. Pas oublier que humain pas qu'à vous avec esprit. Et puis c'est le nom de l'Éternel qui a mis au dehors dans le genre de combat ça. Il y a des gens qui ont entravé dans le sommeil. C'est le nom de Jésus qui débloque. Mes frères et sœurs, le nom de Dieu est puissant. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Gagner puissance dans le nom de Jésus. Et pour que chaque monde qui citait le nom de Jésus dans les moments difficiles pour le pas de victoire. Nous devons dire le Seigneur merci, nous devons bâler gloire également, mes frères et sœurs, pour sa miséricorde envers nous. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. C'est ça David dit dans le psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il dit ça également dans le psaume 116, verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Mes frères et sœurs, bon Dieu, nous, c'est un Dieu de miséricorde. S'il n'y a pas de miséricorde, nous ne pouvons pas lever chaque matin. Si bonté l'Éternel pas existait toujours, nous pas qu'à lever. Il dit dans Lamentation 3, verset 27, il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Oh, que ta fidélité
est grande. Nous devons bénir le nom de Dieu pour fidélité, pour compassion, pour miséricorde, pour bonté infinie. Parce que je dis, franchement, si nous vivons, c'est parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Nous devons bénir le nom de Dieu. Pour ça, mes frères et sœurs. Et ma client, malgré qu'il y a pile raison pour nous avoir dit le Seigneur merci, pour nous avoir rendu gloire. Mais nous avons touché au dernier point ensemble avec vous avant que nous prions. N'a dit le Seigneur merci pour ses multiples bienfaits envers nous. Alléluia. N'a dit le merci pour ses multiples bienfaits. Dans le psaume 103, verset 1 et 2, David dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous devons dire le Seigneur merci parce que les grands, les fidèles dans la vie, nous, les réels, les sans pareil. Oh, c'est lui qui guérit toute maladie, nous, qui séchait tout plein, nous, qui pensait tout plein, nous. Dans le psaume 34, verset 1er, David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mes frères et sœurs, en plus fois, souffrance sur qu'on a péché, nous dit mon Dieu merci. Mais maintenant, je crois que vous trouvez des et des raisons pour qu'on a béni le nom de Dieu. Et dans le psaume 145, verset 1 et 2, David encore dit, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Alléluia. Chaque jour, je te bénirai. Et je te célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. David, c'était un homme qui était très reconnaissant envers le Seigneur. Il était très reconnaissant envers l'Éternel. Il n'était pas seulement gardé un moment difficile, mais il était à bénir le nom de Dieu sans cesse, mes frères et sœurs. Il bénit le nom de Dieu. Ou même tout, ou besoin de bénir le nom de Dieu pour ses multiples bienfaits dans la vie. Dans le psaume 116, verset 12, David dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel? Maintenant, est-ce que, ou de façon, ou qu'a dit mon Dieu merci? Gardez des mounes pour dire mon Dieu merci, c'est rouler à terre. Des mondes, c'est action de grâce que vous faites. Des mondes, c'est danser. Des mondes, c'est meilleur yo lever. Des mondes, c'est sous genou yo aller. Des mondes, c'est la face contre terre. Comment rendrai-je à l'Éternel tout ce bienfait envers moi? Gardez matin, dire le Seigneur merci pour tout ça que le fait dans la vie. Yo. Invoquez le nom de Dieu. Peut-être qu'on a souffert. Ça fait qu'on n'a pas trouvé raison pour dire le Seigneur merci. Parce que, en pile fois, moi-même, ensemble avec vous, nous seulement contentons-nous pour nous dire le Seigneur merci, pour les nous en paix, pour les nous de la joie, pour les nous pas malades. Et bien, qui te nous dit aux amis, des moments où on a persécuté, des moments où on n'est pas en joie, des moments où on est malade. Mais c'est la volonté de Dieu. Parce que, qui t'aime dire ou qui ça, apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, on a commencé depuis dans verset 7 là. Et puis on est arrivé dans verset 9 là. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde de la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Verset 9 dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Mais frères et sœurs, ce n'est pas toutes les rois persécutés que mon Dieu parle. Ce n'est pas toutes les rois persécutés que mon Dieu a retiré de la persécution.
Parce que quand pile fois, le Seigneur quitte ou bien écharde, tant que Jean te quitte pour apôtre Paul, c'est pour capable empêcher moi avec vous, capable pour nous, pour empêcher nous, pour ne pas remplir d'orgueil. Parce que quand pile fois, le Seigneur compte tellement utiliser nous. Nous t'avons enflé d'orgueil. Et puis le Seigneur qui te recharde pour nous. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas toujours gagné pouvoir, puissance, autorité. Au contraire, pendant que vous êtes malade, vous avez guéri le monde qui est malade. Pourtant, pendant que vous persécutez, vous avez aidé le monde dans la persécution. Vous avez prié pour le monde débloquer. Vous avez prié pour le monde pour opérer des miracles. Faites tout le bagaille. Apôtre Paul, c'était un homme qui était connu des monde qui est paralytique dans le il y a des gens qui paralytiques dans le dans Actes des Apôtres, chapitre 14, et l'histoire raconte nous ça. Apôtre Paul, il y a un homme qui était né de naissance handicapé. Il y a un homme dans l'ange, il a ordonné à cet homme de lever et de marcher sur ses pieds. À l'instant même, l'homme n'a été levé sur deux pieds. Il a commencé à marcher pendant qu'il était gagné au Richard. Dans lui-même. Ça veut dire, Zamim, en pleine foi, au cas où on est malade, on a prié, on dit, eh, bon Dieu, pas attendez. Mais pas parce que bon Dieu, pas attendez. Bon Dieu, quittez ça pour gloire. Non, Zamim. Bon Dieu, quittez ça, non, ou, quittez persécution, ça y est, monde, ça y est, qui levait encore là. Bon Dieu, quittez pour raison pâle. Eh bien, c'est ça, oui, apôtre Paul te dit. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Mes frères et sœurs, matin, je veux dire en tout temps et en toutes circonstances, avec écharpe ou pas, avec persécution ou pas, dis le Seigneur merci. Bénis le nom de Dieu pour son amour. Bénis le nom de Dieu pour sa miséricorde. Bénis le nom de Dieu pour sa bonté. Bénis le nom de Dieu pour sa fidélité. Bénis le nom de Dieu pour ses multiples bienfaits envers nous. Mes frères et sœurs, matin, tant que j'aime t'a dit, avec sa capacité à travers le monde, nous devons être plus collés, plus serrés sous le Seigneur. Bénis le nom de Dieu davantage. Bénis-nous davantage et priez davantage, avec charme ou pas, avec persécution ou pas, ou besoin de décoller plus sous mon Dieu. Et ça fait matin, mes frères et sœurs, nous va prier oh, pour nous demander le Seigneur force en dépit de toute persécution, pour nous camper devant, pour nous continuer bénir, pour s'allier, pour pouvoir, pour puissance, pour autorité. Alors pensez que quelque bagaille qui a passé dans la vie, si vous n'êtes pas dans la volonté, mon Dieu, ou pas penser que le Seigneur est terminé en éclat d'œil. Le Seigneur est pour voir tout ça. Amen. Vous sentez le Seigneur veut parler avec cœur au matin pour nous dire ma grâce te suffit. Donc Jean le dédie pour apôtre Paul. Ma grâce te suffit. Oh matin, éloignez de vous toute haine. Éloignez de vous tout ça qui empêche au remède. Tout ça qui rend nous lourds pour adorer le Seigneur, pour salmodier le nom de Dieu. Parce que sa grâce te suffit. Grâce, mon Dieu, suffit pour vous. Avec ou sans écharpe, n'a béni le nom de Dieu, matin. N'a béni le nom de Dieu pour ça le faire, pour ça lier, pour ça le représenter. Pour l'amour que vous gagnez pour vous, pour miséricorde qui n'est pas jamais fini, pour compassion, pour bonté. N'a béni non parce que c'est un Dieu qui lente à la colère et riche en bonté. David dit ça dans le psaume 103. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mes frères et sœurs. Nous bénissons pour ça.
mes frères et sœurs. Oh non, bénis-nous. Oh non, bénis le nom de Dieu pour ça. Si bon Dieu t'a traité nous selon péché, nous ne pas qu'on écoute nous travailler aujourd'hui. Nous pas qu'on écoute nous travailler. Nous pas qu'on est qui ça nous t'a pas devenu. S'il t'a traité nous selon péché, nous. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Somme 103, verset 8. Dans ta la colère est riche en bonté. Verset 9, il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Verset 10, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Disposez cœur, on a béni le nom de Dieu à travers parole, nous, à travers langage, nous, matin, mes frères et sœurs. Peut-être te mettez dans l'esprit ou que c'est oublié, bon Dieu, oublié ou. Même je dis ou c'est pas oublié, bon Dieu, oublié ou. C'est parce que ou quitte tout l'œil ou. Faire ou pas qu'attendre le Seigneur dit ou. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et de matin, avec ou sans échange, n'a béni le nom de Dieu. Disposez cœur pour nous aller devant le trône de la grâce ensemble. Parce que l'amour ça a dépassé connaissance tout le monde. C'est sa parole la fait nous connaître dans Romains chapitre 5. Éternel Dieu, ton face, nous venons dire merci. Parce que matin, bon Dieu tout puissant, faut attirer nous encore. Dès que nous levions pour nous chercher présence, face, pour nous entrer dans la présence de bon Dieu, pour nous décaper une chita. Autour de table ça pour nous manger parole ensemble. Parole qui s'est mangée pour nous. Seigneur Dieu, matin, on t'a montré nous quelques raisons. Quelques, parce que raisons nous ont pile, oui. On t'a montré nous quelques raisons pour nous capables de bénir nous, pour nous rendre nos gloires. Parmi raisons, ça y est, nous te voyons que nous devons bénir nous pour l'amour. L'amour qui dépassait connaissance de tout le monde. Et l'amour ça qui t'a voyé Jésus-Christ mourir sur le bois infâme du calvaire. Qui t'a allé chercher nos côtés, nous taillés. Qui t'a mené nous à la merveilleuse lumière. Lumière, Seigneur. Nous disons merci pour l'amour ça matin. Nous bénissons également pour miséricorde qui n'a jamais fini. Oui, ou t'apprends les oreilles nous matin pour faire nous connaître. Que nous devons bénir pour miséricorde, parce que c'est un bon Dieu qui n'a jamais menti.
Et parole nous fait nous connaître ça dans le psaume 138, verset 2. Il dit que renommé ou l'irrité plus loin à cause de l'accomplissement de tes promesses. Ça veut dire son bon Dieu qui est fidèle dans la promesse. Là où déclare une parole avec bouche, mais on accomplit. Et dans le nombre 19, parole nous fait nous connaître qu'on pas un bon Dieu qui connaît bien mentir, mais qui connaît repentir. Nous, bon fils de l'homme qui qu'on repentit de ça que dit, tout ça on dit avec bouche ou main on accomplit. Matin, Seigneur, nous bénissons pour fidélité. Ou c'est mon Dieu qui fidèle. Ou fidèle en tout temps et en toutes circonstances. La vie nous a témoigné ça. La vie nous témoigne fidélité. Éternel Dieu Tout-Puissant. La vie nous prouve que c'est mon Dieu fidèle. Oh, nous bénissons pour ça matin. Nous bénissons également pour miséricorde qui n'a jamais fini, pour compassion qui n'a jamais fini. Éternel notre Dieu, oh matin, Dieu fidèle, nous fait louange pour vous, parce que bien qu'on t'a cherché nous dans les ténèbres, qu'on t'a nous taillé, mais des moments nous qu'on fait des glissades, Seigneur, nous qu'on tombe parce que c'est l'homme nous y est, nature nous qu'on nature et péché. Ça veut dire qu'en pile moment, Seigneur, nous lutter, c'est vrai, mais ça va empêcher plus fort nous qu'on tombe. Mais miséricorde, Seigneur, pas jamais fini pour nous. Là, nous demandons pardon, toujours fidèle et juste pour capable pardonner nous. Ta bouche, parole là, dit dans le chapitre 1er, verset 9, où la parole là dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, là, nous demandons pardon, ou toujours fidèle et juste pour capable pardonner nous. Ou pas jamais qu'il y ait des avec nous, pas garder, nous pas traiter nous selon péché nous. Tant que Jean dit dans le psaume 103, c'est sa parole où dit, Seigneur, nous t'appelons dans verset 8, dans verset 9, dans verset 10, côté que Seigneur David dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Seigneur, nous bénissons parce qu'on pas traiter nous, j'en t'as supposé traiter nous, hein. Sous ta traité nous, je t'ai supposé traiter nous, hein. Ou t'as foyé nous jeter bien loin, Seigneur. Nous pas t'as même été prêts, ou t'as foyé nous jeter bien loin, côté pour nous te périr. Mais Seigneur, l'amour, pas quitter ou fait ça. Nous bénissons également pour tout tes bienfaits dans la vie, nous, mon Dieu. Ou guéri maladie, nous, ou penser blessure, nous, ou penser plein, nous, ou ban nous victoire, ou ban nous la paix, Seigneur, pour protéger nous. Ou coumer pour nous, des fois on mettait nous sous dos, passer ensemble avec nous, des moments à marcher dans mitan danger, Seigneur, ou rend nous invisibles, ou rend nous intouchables, ou rend nous inattaquables, Éternel notre Seigneur, des moments c'est du feu mettez sous nous, là où elle a fini, et puis devant yo c'est du feu sous nous, yo pas qu'à avancer, des moments tout Seigneur, c'est rap nous changer, c'est couleur nous changer, c'est hauteur nous changer, c'est couleur marcher nous changer, on fait tout ça dépend de vous, pour qu'à protéger nous, pour qu'à guider nous, pour qu'à couvrir nous, Seigneur, pour qu'à aider nous, pour couper pour nous, Seigneur, nous disons merci pour ça, ma terre. Oh, nous fait louange pour vous, bon Dieu. En plus fois, Seigneur, douleur qu'on tellement pile, fais-nous aveugler, nous fais-nous sourds, nous pas qu'à tant de voir, qu'à parler avec nous, mais matin, merci, parce que Seigneur, ou t'as tiré les oreilles nous, pour te faire nous connaître, puis en pile raison pour nous dire merci. Et c'est vrai, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, parce que raison y'a en pile. Yo en pile. Matin, nous bénissons parce qu'on toujours prend défense. Nous disons merci pour ça, Seigneur. Où c'est tout bagaille pour nous. Nous disons merci pour ça. Où c'est la vie, nous. Tant que j'allais chanter, nous 24 créoles chant d'espérance. Jésus, c'est tout bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie. C'est lui qui force moi tous les jours. Moi, t'as tombé sans lui. L'aime senti une triste série me chercher. Si vous pas là, ça, moi, t'as fait. Sous pas là, Seigneur.
Seigneur, qui ça nous a fait, parce que c'est tout bagaille pour nous. Nous bénissons matin, nous exaltons matin, nous glorifions matin, éternel notre Seigneur, et quand il l'a nous, qu'a bénissons avec un chat, Seigneur, nous croyons avec une persécution, avec une maladie, nous croyons, mais nous bénissons, Seigneur, parce qu'on fait nous connaître que grâce suffit pour nous. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Dieu fidèle. N'a toujours chanté l'amour. N'a toujours chanté l'amour. N'a toujours chanté l'amour éternel, Dieu Tout-Puissant. Parce qu'on mérite. Oh, mon béninon. Pour soyez, pour son fait. Et maintenant, bon Dieu, ma prière pour chaque monde qui go échard. Ma prière pour chaque monde qui go échard, bon Dieu. Et d'ailleurs, à tant de fois, on peut parler avec eux pour dire grâce suffit pour eux. Même j'en te dis pour l'apôtre Paul. Parce qu'on va pas pécher pour pas enfler d'orgueil. Ou qui t'ont échard, ou qui t'ont persécution, ou qui t'ont ennui dans le corps. Pour qu'on arrête de coller sous vous, Seigneur. Puis on arrête dans la prière parce que c'est qu'on sort besoin. Parce qu'on peut fois, Seigneur, nous laisser distraire. On peut fois nous laisser emporter, Seigneur Dieu, par toutes sortes de distractions. Mais Seigneur, c'est façon pas pour faire nous coller sous vous dans la prière. Nous bénissons pour ça. Mais si là autour, Seigneur, que ce n'est pas volonté ou qui malade, c'est au monde qui a fait méchanceté. Nous demandons au Seigneur, va visiter au matin et va guérir pour la gloire de ton nom. Visitez ceux-là qui sont dans l'hôpital. Oh Seigneur, au besoin. Quand ils nous sont passés en bas de couteau. Seigneur, c'est comme ça, oui, on décide, un peu, on décide pour la vie, on finit. Mais puisque ce n'est pas volonté, ce n'est pas vous qui choisissez, bah, oui, Seigneur, passez visiter vous. Kerio, que plus qu'il soit même la caillou. Seigneur, passez visiter yo. Que ça gagne douleur dans pied, dans corps, tout partout dans corps, yo, Seigneur, dans tête. Yo, pas comme ça pour yo faire, mon Dieu. Dans ventre, yo. Gagne yo qui fait cancer, mon Dieu. Qui gagne maladie incurable sur yo. Et ce sont des maladies que l'homme bat, éternel Dieu Tout-Puissant. Ou c'est mon Dieu qui compte guérir. Ou t'es dit Israël ça. Ou dit je suis le Dieu qui guérit. Seigneur, s'il vous plaît, matin, passez visiter yo. Passez visiter et guérir au Seigneur. Il va témoigner pour nous remettre la vie nous dans mes activités, nous entrer sortir nous dans mes week-end dans mes bon Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus pour qu'accompagner nous dans toute ça la fête. Aidez-nous au jour le jour pour nous capables mettre en pratique, Seigneur, tout ça que nous devons mettre en pratique. Parce que le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Aidez-nous à racheter le temps au jour le jour. Aidez-nous à racheter le temps au jour le jour, Seigneur. Parce que l'ange des structures a passé. Nous ne connaissons pas, Seigneur, qu'il est là passé bon son la caille. Mais aidez-nous à racheter le jour, Seigneur. Aidez-nous à remettre. Aidez-nous à repousser l'esprit la haine dans nous, Seigneur. Pour nous carrément, chant nous doit remettre. Aidez-nous à continuer le travail pour vous. Aidez-nous à évangéliser. Aidez-nous, Seigneur, pour nous prêcher l'évangile à partout côté que nous passons. Aidez-nous pour lumière, nous capables de briller partout côté que nous passons. Parce que parole nous dit dans Éphésiens, racheter le temps car les jours sont mauvais. Aidez-nous à racheter le temps, mon Dieu. Pour nous marcher nos volontés. On continue à faire louange pour vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ton Fils unique, nous t'en prions. Lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Bon Dieu béni, on fera avec ce maillot. Bon Dieu béni, on était content avec vous matin pour être capable de passer du temps ça. De faire le trône de la grâce que mon moment ça va être un sujet de bénédiction pour la vie avec la vie famille. Et si vous te sentez béni, tout bon, on va partager mon moment de prière, ça, gens que vous habituez à faire déjà avec l'autre famille, puis vous êtes capable. Bénis le nom de Dieu. Ensemble avec nous. Bon Dieu béni, sans Jésus couvrir, je souhaite vous passer un bon week-end. Pas oublier, restez collé sous mon Dieu. Restez collé sous mon Dieu. Parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Restez collé sous mon Dieu. Plus que jamais, restez collé sous mon Dieu. Bon Dieu béni, sans Jésus couvrir, pas oublier, je mets mon moment de prière, ça disponible sur YouTube. Pour aider nous continuer à partager. Et merci à vous-même qui êtes déjà abonné. Pour aider nous partager mon moment de prière sur ça pour notre famille. Capable de bénir avec nous. Sans Jésus couvrir, encore une fois, c'est des amis ou soeurs. C'est avant tout, surtout ceux qui sont avec vous. Abordable. Bon week-end, bonne journée.
avec Jésus. Rendez-vous pour le dimanche matin. Prochain, si Jésus va pas retourner, et s'il va pas faire un appel à nous. Shalom, shalom. Et nous dirons de tout.